Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 27 novembre 2019. Les marchés sont en hausse aujourd'hui à cause que le président Trump a déclaré que Washington et Pékin étaient au final des pourparlers visant à obtenir un accord commercial. Bon, au final, ça veut dire qu'il achève, là, mais on ne l'a pas encore, cet accord-là. Donc, ça a fait progresser les marchés. En tout cas, le marché de Nasdaq a été fort. Là, c'est vraiment plus calme là, maintenant, après une hausse d'un demi pour cent. Un quart de pour cent sur le SPY, c'est flat sur le Dow à zéro. Et on a à peu près un dixième d'un pour cent sur le TSX. Donc, si on regarde ça ici, dans un graphique en 15 minutes... Donc, on voit le Dow qui est stable, le SPY un petit peu plus haut. C'est le Nasdaq qui est surtout venu faire un nouveau haut. En fait, les deux grands responsables, c'est Facebook et puis Amazon. Regardez, vous voyez Amazon là, qui continue à monter pour une troisième journée. Puis Facebook qui était en hausse aussi aujourd'hui. Puis là, il est stabilisé entre 202 et 202 piastres et demi. Quelques petits résultats financiers. On a Dell en premier qui est en chute, 1,5, malgré un résultat d'une 1,59 à 1,75. Mais il y a juste 1 % d'augmentation des revenus. VMware, 1,43 à 1,49. Le titre ne bouge pas. Guess, 18 à 22 cents. Le titre est passé sa résistance là-dessus, mais dans sa quatrième journée. HP ne bougera pas. 58 à 60 cents. BRP, 1,31 à 1,51, mais en premier, BRP a ouvert ici. Il a complètement rechuté à zéro après l'ouverture sur un bon résultat. 11 % il y avait 18 % d'augmentation des ventes aussi. Donc là, si on regarde ça, pour aujourd'hui, vous voyez là, ça a ouvert ici. Après ça, on est venu faire une résistance là, et puis ici... on est revenu encore à la même place. Donc, en principe, à 65 piastres, son élan va redevenir valide. Bon, l'OPEP et la Russie, ou l'OPEP Plus, se rencontrent à Vienne la semaine prochaine. Les ministres des pétroles vont probablement prolonger leur accord de réduction de la production jusqu'à la fin, ou même jusqu'à juin, ou même à la fin de l'année prochaine.
La réunion coïncide avec l'introduction en bourse de Saudi Aramco. L'Arabie saoudite pourrait vouloir trouver le moyen d'augmenter les prix du pétrole. Et puis, bon, la Federal Aviation Agency a annoncé à Boeing là, que bon, la responsabilité était à eux et à Boeing de vérifier les 737 MAX. Là, ils ont dit aux autres, il y a juste nous autres qui va donner les approbations là-dessus. Et le PIB au troisième trimestre avant 1,9, estimé 1,9, actuel 2,1. Kirkland Lake peut réduire d'un tiers les coûts de la mine de Detour Lake, a déclaré le PDG. On va aller voir ce que ça donne. DGC. Bon, ça ne fait pas changer de DGC. Puis KL, pas vraiment non plus. Il peut réduire les coûts de maintien de la mine nouvellement acquise à Détour jusqu'à 800$ l'once par rapport au coût du dernier trimestre de 1198$ l'once, tandis que la production peut atteindre 900 000 onces par année, explique Macouche à Bloomberg. OK, à midi, il va y avoir les inventaires de gaz. On a eu les inventaires de pétrole à 9h30. Ça n'a pas fait grand-chose sur le coût de l'inventaire. Là, il y a été une petite bite en hausse. Après ça, ben, le pétrole a commencé à chuter. Donc là, on s'en revient sur le support des derniers jours. Là. On va arriver là dans pas long. Ça fait que c'est pas vraiment positif là, pour le pétrole à l'instant parce que on quitte... On quitte la tentative de traverser de la résistance et puis on s'en revient vers les supports. Le gaz, lui, continue en baisse, donc les titres ont repris à la baisse. Donc, aucun potentiel, aucun momentum haussier du côté des titres pétroliers. Du côté des orifères, on a encore rechuté. Là, on s'en va direct sur le support, donc les titres aussi vont s'en aller en direction de leur support. Donc, là non plus, aucun momentum haussier. Tout reste encore à la baisse. Là, autant la tendance est neutre, mais le cycle est baissier. On va aller tester encore le fond. Du côté des mines, ça ne bouge pas du tout. On aurait pensé que ça aurait pu, sur l'entente, qui est presque... On va voir ce que ça va donner. Je pense toujours que c'est positif pour les mines s'ils enlèvent tous les tarifs, là. La consommation discrétionnaire qui arrive à sa plus importante résistance, là, c'est pas évident de voir c'est qui fait ça. Il y avait BRP, mais tantôt l'indice était en hausse pareil, puis lui, il montait plus. Donc, on a toutes des petites hausses de Shaw Communication. Après, il y a pas grand-chose. Il y a Gildan qui monte une petite affaire. Restaurant Brand qui fait un petit rebond. Il n'y a pas grand-chose pour un indice qui pousse à la hausse. Martin Rea, c'est pas pesant, ça, dans l'indice. Donc, on pense que finalement, c'est Hudson Bay. Hudson Bay qui a fait un gros rebond parce que là, il y a une nouvelle offre là-dessus. Là. C'est quoi déjà le nom de la compagnie? Catalyst Financial là, qui ferait une offre plus forte que celle que le PDG qui voulait racheter la compagnie a faite. L'offre est à combien? 11$. Puis le titre est à 10, 9,95 présentement. Donc l'offre est sur le sommet ici, là, sur le haut de la résistance. Fait qu'on pense que c'est ça. Dans les télécoms, il ne se passe rien, les services financiers non plus. On a eu une petite correction hier, mais on est revenu dans le mouvement complètement flat en haut. Les industriels sont revenus à la résistance, mais c'est un peu tout le monde. CCP, CCN additionnés ensemble, plus CAE, mais il n'y a pas de nouveaux signaux là-dedans. Il y a Maxar, par contre, là, qui vient d'inverser son dernier cycle, qui part à la baisse, donc vous aviez encore des positions là-dedans. Le mouvement est fini. Et puis, avec le potentiel quand même assez grand de sa correction, je pense pas qu'on doit rester là avec toute la position. Puis après ça, ça c'était Maxar. Pas très beau non plus ATS Automation Tooling là, qui va décrocher en plus ça. Tiens, ici, j'ai WSP Global là, qui est à surveiller parce qu'il n'y a pas un volume bien gros aujourd'hui, mais il est reparti à la hausse. WSP qui profite de la déchéance de SNC-Lavalin. Et c'est tout ce qu'il y avait comme mouvement là-dedans. Dans la consommation de base, ça continue aussi à la hausse. C'est les mêmes titres, là. C'est Métro qui s'en allait vers sa résistance. Là, c'est l'heure de prendre des profits si vous êtes là-dedans. Il y a Empire aussi qui continue à la hausse. Il y a George Weston qui avait manqué son élan, mais qui s'est repris par après.
Maintenant, s'ajoute à ça Saputo, mais il n'est pas encore en signal haussier, pas encore inversé ni sa tendance ni sa résistance, là. Et puis, c'est sûr que le plus gros des responsables des mouvements aujourd'hui, c'est Couchetard. Mais là, Couchetard, il est rendu à son sommet. Puis, tu sais, bizarrement, Couchetard, qui sont en train de faire la plus grosse transaction qu'ils ont jamais faite, qui vont devenir encore plus gros qu'ils ont jamais été, bien, là, c'est rendu sur le sommet. Puis, habituellement, là, quand on sort de, on fait des acquisitions comme ça, là, au départ, la compagnie descend parce que ça sort de l'argent. Puis là, bien, elle monte pareil. C'est dire combien, quand même, le marché a confiance en Couchetard. Mais là, c'est un point de prise de profit ici, et non pas un bon point d'achat après avoir monté pendant 3 jours. Mais son prochain début de cycle va être un super signal. Puis il y avait les autres aussi, Premium Brand, Northwest aussi qui montent, donc toutes les épiceries là, qui sont en train de monter. Puis il y a même Loblaw qui a emboîté le pas aussi après George Weston. Donc, quand même, le seul secteur vraiment positif sur le marché présentement, c'est le secteur de l'alimentation. Et puis, là, du côté du cannabis, il y a un petit espoir. On commence, bien, c'est vraiment très faible là, pour le moment, parce qu'on a toujours la tendance baissière. L'inversement se fait toujours à 11$ pour HMMJ, mais là, pas sûr qu'on va retourner vraiment sur le bas de tous les temps qu'on avait là, parce que pour l'instant, en tout cas, le creux était ici à 8,30. Puis là, ben, on s'est stabilisé. Là. Ça, c'est la deuxième journée de stabilité ici, là, qui serait l'établissement d'un tout nouveau support juste là. Et puis, on aura la conviction, la confirmation de ça à 9,35 lorsque HMMJ virerait de bord. Et là, la grande majorité des titres de cannabis sont tous dans cette situation-là, soit ici un petit peu plus haut que le plus bas creux, là, ou soit ici en bas comme Tilray, puis parce que les autres, il y en a plusieurs qui sont revenus complètement en bas. Les plus forts comme Aphria, Aurora et Weed, les autres sont rester un petit peu plus haut comme ça. Là, je vais vous les montrer. Tiens, vous voyez Weed qui fait exactement la même chose que HMMJ, mais lui, ça fait plus de jours. 1, 2, 3, 4 jours. Mais ça reste quand même une pente descendante. Donc, le support est valide, mais il n'y a pas encore d'inversement. Puis la majorité des titres sont là. Fait que c'est bien facile à voir où serait le point d'entrée. C'est lorsqu'on va traverser le haut des 2 derniers jours pour le moment. Puis c'est la situation, ça, sur le cannabis. Donc, le pétrole est toujours en baisse. Là, maintenant, on va surveiller le gaz. Ça va être les inventaires à midi. Est-ce que le gaz va repartir à un nouveau cycle ou qu'il va décrocher encore plus bas? C'est ce qu'on va voir tantôt. On fait une petite pause. On revient avec les questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Première question de Claude, ATD.B, payé 42,30. Bon, 42,30, c'est ici. J'envisage de mettre un ordre de stop à 42,75 pour protéger mon profit. Qu'en penses-tu? Bon, un ordre stop, faut que ce soit un ordre stop de vente, il faut que ce soit placé en dessous du prix.
Et puis, 42,75, 44,25. Moi, si vous voulez protéger votre profit, là, allez-y avec un stop en dessous. Là. Regarde, dans le moment, là, ce serait 43,90, là, quelque chose du genre, 43,90, parce qu'il pourrait redécoller puis faire encore un petit bout. Okay? Mais l'important, c'est de ne pas vous laisser revenir comme ça par en bas. Puis peut-être pas trop proche non plus. Tu sais, 43,85, ce sera encore quand même pas pire. Okay? Ça fait que. Mais 42,75, c'est beaucoup trop bas, je pense. Okay? Parce que ça, c'est quand même une bonne partie de votre profit là, qui serait parti là. Okay? Il vous resterait juste 42,75, 42,30, il vous resterait juste 50 cents. T'sais? Fait que tandis que là, il y a deux pièces dedans. Moi, je mettrais ça à 43,85, 43,80. SOHA 2,98. Il veut 2,73. Donc, vous l'avez acheté probablement dans le premier rebond ici, même pas avant ça. OK, 2,98, c'est là. Donc, ça devait être ici quelque part que vous avez acheté ça. Potentiel qui revient à 3 piastres où je vends une partie ou la totalité. Bien, regardez, que ce que j'expliquais tantôt, c'est que là, c'est plus le temps. OK? Si, vous avez, parce que si vous aviez eu à vendre, vous avez payé 2,98, le titre, il valait 3,60. Je ne sais pas si vous l'aviez acheté avant ou après. Ça me paraît, je penserais que vous l'avez acheté après, probablement ici, là. Mais je dirais, par mesure on voit que le secteur est arrêté, là. Je l'ai expliqué tantôt, là, que tous les titres ont arrêté de se corriger. Ils sont tous sur un support, soit à ce niveau ici, ou soit au niveau du plus bas là, qu'on avait reconnu l'autre jour. Okay? Donc, les deux. Mais d'un comme l'autre, ça vaut la peine de garder là. Et je vous dirais, si EXO vient traverser les 2,60, ben là, il y a des bonnes chances de se rendre encore plus bas. Moi, je mettrais un stop à 2,60. ATD.B, non, c'est pas un achat à ATD.B parce qu'on est rendu à sa grosse résistance, là. Je pense, moi, que c'est plus prudent. Ils viennent de faire une grosse acquisition, là, puis ils se sont même pas repliés là-dessus, là. Donc, les gens voient juste le positif pour l'instant, mais on est à la résistance après être parti de 41. Là, il est à 44. Il a monté d'à peu près 10 % 8 % Moi, je pense qu'il va se stabiliser là. Le meilleur point d'achat qu'on pourrait avoir, c'est une stabilité à ce niveau ici, aux alentours de 43,75-44, même 44,25, là, OK? Puis après quelques jours de pause, que là, on fera vraiment un nouveau haut, c'est-à-dire un début, une nouvelle cote, un nouveau cycle haussier totalement au-dessus de la résistance. Ce serait là le meilleur point F. Bonjour, j'ai acheté MRE à Toronto, 12,20. MRE, c'est Martin Réa. 12,20, il vaut 12,50. Il pointe par en haut, hein, ça, on avait-tu des... non, on n'a pas les résultats financiers. Il n'est pas fort, mais il n'est pas faible non plus. 12,20, c'est exactement sur la ligne ici. Mais là, il est reparti au-dessus là, de cette résistance-là. C'est juste qu'il manque un petit peu de force encore aujourd'hui. Moi, je mettrais... Là, il est à 12,40. Je mettrais un stop à 12,25, juste m'assurer que ça n'ira jamais en perte. Parce que s'il revient, bien, il va avoir annulé ce cycle-là. Puis là, ben, il ne deviendrait plus ben beau à ce moment ici. OK? Ben, moi, je mettrais un stop à 12,5 sur ça, Claude. ACB, il se prépare. Ils se préparent tous. OK? Ils se préparent tous. Regardez là. On va en prendre quelques-uns. OK? Regardez tous ceux qui ne sont pas en bas complètement, là, comme Weed. Là. Ils sont en train de faire une formation neutre ici plus haut, comme j'expliquais tantôt, OK? Donc là, c'est peut-être le creux qui va être le prélude à un nouveau cycle haussier. Donc, mais il y en a d'autres qui sont plus bas, il y en a d'autres qui sont complètement en bas. Vous voyez, comme lui, GDO,
Il est venu faire sa formation presque en bas. Il a presque tout perdu ce qu'il avait gagné l'autre jour. Organigram, il reste plus haut. Afria, plus haut. Aurora, pas très haut. Il en a perdu quand même pas mal de plumes. Okay? Il reste juste 40 cents par rapport à son plus haut, son plus bas. Et puis, donc, lui, ce serait comme 3,45. Fait que tous ces titres-là, OK, on pourrait redécoller parce qu'ils sont tous de côté. Donc, là, il n'y a plus de vendeurs, mais il n'y a pas d'acheteurs non plus. Okay? C'est entre les deux. Dans une formation neutre, le nombre d'acheteurs et de vendeurs sont égaux. Et puis, les volumes bien, sont quand même faibles. Vous remarquerez, ça part tous les matins sur une petite folie, là, avec un peu de volume. Puis après, ça revient à la baisse, puis ça se calme. Ça fait ça depuis des jours. Regardez, Tilray, lui, est complètement en bas. À son support, puis il y en a d'autres là, qui sont plus faibles que les autres. Tiens, Alephia aussi, qui est lui complètement à son bas. Fait qu'au lieu d'être stabilisé plus haut, c'est stabilisé plus bas, mais ils sont tous stables, comme Charlotte, OK? Regarde Charlotte là, qui est ici, là, qui est en 13,45, 13,48, lui, qui sera son décollage. JIB.A. GIB.A. Oh non, ce ne sera pas ici, ça va être là. GIB.A. Bon, groupe CGI qui est vraiment bien depuis son nouvel élan ici au-dessus de sa multiple résistance. Donc, je ne pense pas que c'est un titre dangereux. C'est quand même un nouveau haut. Le risque est de 110 à 107, 3 pourcent, à peu près 2,5% de risque. C'est quand même le début d'un nouveau cycle haussier qui était encore plus beau hier parce que il y avait quand même du bon volume hier. Il y a eu des gros volumes en fin de journée. Regarde, ça s'est passé ici en toute fin de course hier à 110$. Là. Donc, le mouvement n'est pas rendu très, très loin. Je dis quand même, c'est quand même bon. SIS. C'est un titre qui fait des nouveaux constamment. On n'a aucun point de repère. C'est jusqu'où il va aller. That's it, that's all. Fait qu'on achète ça au début d'un cycle, puis on se met un stop juste en dessous de notre cycle. ATD.B, c'est un achat? Non, j'ai répondu à ça. Est-ce que ATD.B, c'est intéressant pour un achat? Et à quel prix serait-il? Je vais vous l'expliquer aussi encore. Laissez-les se calmer 2-3 jours. Puis le premier jour de son prochain cycle, c'est là le point d'entrée. Est-ce que SHOP est un achat? Bon, hier, il faisait quand même, il traversait une petite résistance avec un volume moyen, parce que c'était son volume moyen. Il est plus dans ses plus gros volumes, là, Shopify, mais il est dans un nouveau cycle haussier. Il a complètement inversé sa correction. Il a bien tenu le coup au-dessus de son important support ici. Donc, je crois que c'est favorable. BCE. Payé 65$, il vaut 64$. Je conserve ou je vends? Ben moi, je vous dirais, regarde, conservez-les pas s'il redescend à 63. Mais, tu sais, il est à presque son sommet de l'année. Là. Pas de l'année, mais de tous les temps. Là. Ça fait que, quand même, on peut pas dire qu'il est faible, belle. Mais là, quel est le potentiel là-dedans? Je pense que le potentiel est juste de rentrer dans votre argent. Mais en attendant, je pense qu'un stop à 63$, ce serait bon. J'ai acheté Clovis vendredi passé à 8,64$. Il vaut 11,98$. Un titre que j'avais vu à ton émission. S'il vous plaît, analysez le titre. Je crois qu'il peut revenir à ses sommets des années passées. Bon, ce serait le fun. je vous le souhaite. Je vous le souhaite parce que ce serait 1000% là, que vous feriez là-dedans. Mais on va y aller étape par étape, OK? Parce que partez pas dans cette optique-là, hein, de dire, je le vendrai en haut. Ça, c'est une nouvelle tendance. C'est quand même un bon volume. C'est parmi ses meilleurs volumes de ces 5 dernières années. Et surtout si on vient... modifier les volumes qui étaient un peu trop longs, qui étaient tous des volumes uniques, là, OK? Donc, on voit bien qu'ici, c'était pas des volumes uniques, là, c'est un tapon de volume, là. Ça fait que, donc, c'est ses plus forts volumes des dernières années.
Et puis, donc, ça a bien commencé. Il est dans un cycle effréné pour l'instant. Dans un graphique en 15 minutes, ça va être assez hallucinant, là, parce que vous avez... Le titre a doublé dans les 10 derniers jours. Regarde, il valait 7, il valait ici 6 piastres, ce qui est ma flèche. Bon, il valait le 14 novembre, il valait 6 piastres. Puis là, il va 12 piastres. Donc, il a monté de 100% depuis le 14 novembre, OK? Puis là, bien, il est dans sa tendance la plus abrupte, OK? Par expérience, là, depuis les 32 ans que je fais de la bourse, là, ce genre de tendance-là qui s'accélère et qui monte, c'est que la dernière pente, là, qui est à plus de 45 degrés, là, ça ne tient pas longtemps, ça. Parce que, regarde, en quelque part, il va avoir ça montre comment les acheteurs aiment le stock, c'est d'accord. Mais il ne faut quand même pas oublier que juste dans les derniers jours, là, 1, 2, 3, 4, 5, depuis les 5 derniers jours, il est parti de 7 piastres à 12 piastres. C'est énorme, là, OK? Donc, juste pour un seul cycle. Ça fait que là, ce qui est le mieux de faire, c'est de protéger votre position, OK? Pardon. Comment on protège ça? Bien, quand le titre était ici, il est monté, il a fait un support plus haut. Il est remonté, il a fait un autre support. Il est remonté, il a fait un autre support, puis un autre support, puis un autre support, puis là, ici, on va en construire un quelque part, OK? Donc, tant que le titre reste au-dessus de ces supports-là, c'est-à-dire quand il se corrige, puis qu'il arrête de se corriger, comme tous ces points-là, là, OK, où le titre a arrêté de se corriger, bien, puis qu'il est reparti à la hausse, c'est tous des points d'établissement de support. Et puis, s'il ne faut pas que ça s'inverse. Là, dans le moment, la tendance s'inverserait à 10 piastres et 25. Parce qu'il faudrait qu'il redescende jusqu'ici. Puis là, il s'arrêterait là. Puis après ça, il décrocherait. Là, on aurait une tendance. La tendance haussière intra-séance deviendrait une tendance baissière. Mais on n'est pas encore rendu là. L'important, c'est de bien suivre. Vous êtes à 8,68. Moi, je m'en irais là pour l'instant. Je mettrais un stop à 10 piastres et demi. Puis je le laisserai aller. Bien, on ne sait jamais. Tu sais, il peut arriver de quoi, là, un matin, une journée ou n'importe quoi, bang, 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 puis on le sait, là, dans les biotech, là, ça, les pharmaceutiques, biotech, médicales, c'est souvent comme ça, là. Oups, il y a une mauvaise décision de la FDA, puis bing, OK, ça chute. Fait que il faudrait au moins protéger votre position. Plus proche que ça, ben je pense pas que vous voulez le vendre pour une pièce non plus, parce que vous irez jamais jusqu'en haut si vous attendez pas l'inversement de la tendance. Donc moi, j'irai tout simplement sur un stop à 10 piastres et demi. J'ai acheté DIR.UN sur Toronto. DIR.UN. Bon, ça, on a besoin d'un petit ménage. On va faire un petit ménage du printemps. Hein? Et voilà, les volumes, ils reviennent parce qu'il y en avait juste des énormes qui volaient tout. C'est Dream Industrial. Vous l'avez acheté... J'ai acheté à 13,85. Il vaut 14,1. OK, vous l'avez acheté probablement dans le mouvement ici, qui était là, qui était un beau point d'entrée quand même. Voyons, j'ai de la misère avec ma flèche. Comme ça. Bon. Et puis là, bien, il vient de construire un nouveau support, puis il repart encore en hausse. Le titre me semble prêt pour un autre rebond. Ton opinion, merci Michel, acheter RAI.UN à 26$, je regarde pour vendre la moitié à 800. Bon, OK. Donc là, pour l'instant, vous êtes à 13,85. On va prendre un graphique comme ça. 13,85, vous êtes ici, OK? Mais là, lui, il pousse vraiment par en haut, là, dans le moment. Donc, je le laisserai aller bien comme il faut, mais on ne voudrait pas non plus qu'il revienne à l'intérieur de sa résistance qui est là, OK, parce qu'il deviendrait neutre. Mais comme votre prix de revient et votre prix d'achat est ici, puis que là, on a un support aujourd'hui en intra-séance ici, donc moi, j'irais avec un stop-loss pour le moment à 13,90. Donc, ce qui n'est pas grand-chose, mais ce qui est 5 cents de profit, qui dit que ce n'est pas une perte, OK? Parce que s'il revenait,
Ça veut dire que, regardez, on va le voir un peu plus facilement dans un 5 minutes, c'est que là, il est ici, puis il pousse encore à la hausse, mais ça, son mouvement neutre, il était là. C'est aujourd'hui qu'il a traversé ça, là, ce matin. Ça fait que s'il revient à votre prix payé de 13,85, qui est ici, bien, il va revenir sur le support qui va être sur le bord de l'inversement de tendance. Ça fait que, autrement dit, s'il ne veut pas aller plus loin, il va se faire sortir. Moi, j'irais avec un stop à 13 et ben même 13,90, même 13,95. Et puis l'autre, c'est REI.UN. REI.UN. Bon, ça, c'est un autre beau là, qui traverse une importante résistance. Son volume n'est pas très fort aujourd'hui, mais il est quand même passé. Vous avez payé 26$, il vaut 27$15. Moi, je pense que vous êtes bonne pour vendre la moitié de 800. À 26, je regarde pour vendre. OK, mais pas encore, hein, parce que, regardez, il vient juste de la passer, sa résistance, là. Je comprends, vous avez payé 26, vous regardez pour vendre la moitié, mais je pense que vous pouvez le toffer encore un petit peu plus que ça, là. Il est vraiment encore en train de passer par en haut. Vous êtes à 26$, c'est même pas dans l'affaire ici, là. Regardez, je vais me mettre en 15 minutes, on va aller voir votre 26$, là. Même pas, c'est 26,35. C'est parce que c'est pas des titres extrêmement volatiles. Hein. C'est une pièce de là à là. C'est un titre qu'il faut être quand même patient. Mais moi, sur cette affaire-là, je ne vendrais pas avant qu'il inverse au moins quelque chose. Donc, dans le moment, vous devriez mettre un... Tu sais, avant, là, vous auriez eu un stop à 26,75 au cas où qu'il vienne briser là. Mais là, il est rendu ici. Ça fait que là, on met un stop ici au cas où qu'il vienne briser là. Ben, vendez pas pendant qu'il monte, vous avez une marge de manœuvre. Ça fait que mettez-vous un stop à 26,95, puis laissez-les monter encore. PYX à New York. PYX. Pyxus. Achat 150. En moyenne, 18. Il vaut 8. OK. 18. 18, c'est là. Une moyenne de 18. Là, le titre est vraiment parti. Ouh! Aïe, aïe! Il est rendu sur un méchant support. C'est son plus bas des 5 dernières années. Il s'est stabilisé là. Puis, il n'est pas vraiment bien beau. Ça, c'est un 15 minutes. Ça fait que, pour l'instant, c'est une formation triangulaire. Là, donc, c'est une formation neutre. Chaque cycle devient plus petit. Il y a même qu'il y a eu un petit là. Bon, on est engouffré là-dedans. Ça fait que ce serait vraiment pas positif s'il retournait à 7,80. Mais d'un autre côté, La tendance s'inverserait, la tendance la plus abrupte s'inverserait à 8,60. Le problème, c'est de l'avoir gardé là, OK? C'était ici, le point de sortie avait été quand même assez clair, là. Et puis, dernièrement, regardez, il a encore traversé une zone de support de juillet, août, septembre, octobre, lorsqu'il a traversé ici. Fait que, il va pas bien. Ben, va pas bien, cette compagnie-là. Le weed est bon pour le 2020. bon, je ne sais pas c'est quoi votre commentaire. On verra. GWO. GWO Great West. Great West qui n'a pas un gros potentiel. Hein. Il est un petit peu en retard sur les autres. La plupart des autres compagnies d'assurance sont en haut. Vous avez payé 31$. Je pense mettre un stop à 32,90$. C'est un peu haut. Parce que c'est 32,90, c'est exactement le prix de son. Presque le prix de son support.
Donc, traverser son support, ce serait plutôt 32 et 75. Vous êtes à 31. Moi, je mettrais ça à 32, 75, là. L'idée, ça va être que, rendu dans ce coin-ci, c'est là que ça va bloquer, là. Il ne voudra pas aller bien, bien plus loin que ça. Mais je prendrai une chance quand même de le laisser aller jusqu'à 34. Point d'entrée pour un NIO. Bon, c'est pas encore super positif dans son cas, là. On a quand même une tendance ici qui est ou une possibilité d'inverser. Il s'est fait un creux, un support plus haut que le précédent. Donc, en principe, ici, on n'est plus dans une tendance baissière. Là. On a une légère tendance haussière, mais qui n'est pas encore traversée la tendance baissière, qui est à côté aussi à sa résistance. Donc, à mon sens... ici, il s'agit tout simplement d'être un petit peu patient. Et puis, lorsque le titre va... il va sûrement se stabiliser ici. Puis, s'il fait ça, après avoir... Puis, dans son prochain décollage, avec un bon volume, ben ce serait sa première journée d'un premier cycle. S'il fait ça... Première journée d'un premier cycle dans inversant sa tendance baissière et son potentiel serait jusqu'à 3,32. Donc, ça y est, ce serait le premier cycle de 2,60 à 3,32. C'est quand même payant, là. C'est 90 cents sur 2 piastres et 60. C'est quand même un gros pourcentage. C'est un titre qui est quand même liquide et volatile. Ben, pas liquide parce que les volumes ne sont pas bien gros, mais au moins volatile. GIL, c'est-tu un go? Je l'aime pas trop, moi, Gildan, là. Mais disons qu'il fait un petit mouvement positif, là. Il traverse à peine sa résistance. Ça a l'air gros ici. Mais c'est 2 piastres sur 35 piastres sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Donc, c'est pas un titre qui est si hot que ça. En tout cas, puis c'est une grosse tendance baissière. Mais il repasse un petit peu sur un petit volume. Mais je dirais que si vous embarquez là-dedans, ça vous prend un stop à 37 piastres. Vous avez 75 cents de risque. Y a-t-il un bon achat dans les compagnies d'assurance? Bien, c'est pas évident, parce que, regardez, on va les regarder ensemble, là. Les compagnies d'assurance, on a Industrielle Alliance, Sun Life, Intact Financial, Great West, Manulife. On va les mettre ensemble, tiens. Manulife est là. Puis, il y en avait-tu d'autres? Il y en a une couple d'autres, peut-être, là, mais on va regarder ceux-là, tiens. Donc, Industrielle Alliance est sur son top. Et sur bord de faire un nouveau haut. Sun Life était à son sommet avant de faire une petite correction, mais là, il est vraiment dans une phase neutre, tout comme Industrielle Alliance. Intact Financial, la plus grosse compagnie d'assurance au Canada, est de côté aussi, dans une formation neutre. Et Great West, qui n'est pas, lui, aussi haut que les autres, mais qui accuse un peu de retard, et arrive à sa résistance aussi, dans une formation qui est quand même assez neutre. Bon, ça fait que tout le secteur est à peu près pareil. Donc, je pense qu'il faut suivre le signal que le marché nous donnera lorsque les compagnies d'assurance traverseront cette formation-là. Quand des bons points qu'il y avait eu, exemple, Industrielle Alliance, quand il a traversé une multiple résistance, là, c'était bon. Sun Life, quand il a traversé ici, c'était bon. Intact, quand il a traversé là, c'était bon. Ils ont tous fait les mêmes choses, à peu près. Great West, lui, a fait ça à partir d'en bas, d'une manière assez différente, mais lui aussi avait fait l'inversement de sa tendance, traversé de la résistance et tout ça. Là, maintenant, c'est en haut que ça va se passer. À mon avis, le temps d'embarquer, c'est comme quand, lorsque toutes les compagnies d'assurance vont faire un nouveau haut au-dessus de la résistance actuelle, qui est comme 140 piastres et demi pour Intact, 62 piastres pour Sun Life, 69 et demi un petit peu pour IAG. Ça va ressembler à ça.
Que penses-tu de NTR? On arrive aux inventaires, là. Il est-tu... Et voilà, il est... Ah, on a passé. On a-tu eu les inventaires? Qu'est-ce qui s'est passé dans le gaz de rien? Ils ont-tu été là à midi? Mm-hmm. Bon, il ne s'est rien passé. Les inventaires, ni de pétrole, ni de gaz, ont rien fait aujourd'hui. Nutrient, NTR. Que j'aime plus bien, là, en passant, là, parce qu'il est quand même un peu dur à lire. Il est dans une tendance baissière depuis quand même un méchant bout de temps. Surtout depuis qu'ils ont changé de voie, là. Mais regardez, c'est comme... Je sais pas trop quoi faire avec ça. Il me semble qu'il n'est pas intéressant. Il est toujours à la baisse. On voit aucune tentative d'inversement de cette tendance-là. Vous l'avez acheté à 64,29 je ne sais pas trop quoi dire sur ça. Regardez, son dernier sommet est encore négatif. Là, tous ces sommets-là sont négatifs, mais lui, il est encore plus bas. S'il faut qu'il redescende par là, bien, sa tendance va changer d'angle. Ça fait qu'il n'est pas vraiment très beau. Puis regardez comme ce ne serait pas positif s'il vient traverser ici là, à 62. Là, il est à 62 et 34, là. Mais à 62, il indique qu'il va indiquer. S'il traverse 62, il s'en va à 61 et 25. Mais s'il traverse 62, il accélère sa tendance aussi. Donc, moi, je mettrais un stop-loss à 62. Et il baisse tout le temps, pourtant les engrais sont nécessaires. Oui, c'est sûr, les engrais sont toujours nécessaires. Mais Nutrient n'est pas le seul à vendre des engrais. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compagnies dans les engrais. Et je suis pas assez spécialiste dans le secteur pour savoir ce que la demande est en... La demande d'engrais doit être en force, mais excepté que... Tout le monde essaie d'en utiliser le moins possible des engrais. Ils essayent de trouver aussi des alternatives à ça. Mais je ne veux pas m'embarquer dans un sujet que je ne connais pas plus que ça. CP payé 312. CP. Bon, il vaut 320. En tout cas, CP. Est-ce que CP va faire un nouveau haut de tous les temps? C'est l'avenir qui va le dire. Ça ne sera pas facile à passer, c'est clair. Et puis... Donc, vous l'avez payé à 312. Penses-tu d'un stop de protection à 315? Il a l'air à vouloir ralentir pas mal, hein? 315, c'est ici, c'est un drôle... c'est quand même bon, là, c'est que ce cycle-là serait inversé. Moi, je vous dirais, pourquoi vous ne prenez pas un petit profit là, à ce prix-là? Combien on a de chances de voir CP aller faire un nouveau... à 315, vous allez avoir perdu 4 piastres. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ce n'est pas une mauvaise idée, 315. Mais peut-être que je le prendrai maintenant. Michel dit, « Bonjour Michel et toute l'équipe, merci pour tes infos. Que serait la prochaine entrée de NA et TD? » Bien, quand NA et TD, regardez, tout le secteur financier, il est comme ça, OK? Donc, NA... il a fait un peu plus haut que les autres. Il a quand même pas mal avancé dans son cycle haussier. Là, ici, on a un bon niveau de résistance. OK? Donc le prix de 71$, là, ce serait ça. Ce serait 71,25, 71,50. TD, oui, Max? C'est tout leur résultat financier la semaine prochaine à ces banques-là. Et puis TD, bien, vous voyez, la formidable résistance que là, c'est loin d'être passé. Ça serait 78 et quart, 78 et demi peut-être, là. Mais c'est clair que tout le secteur est plafonné, là. La Banque de Montréal est pareille, elle n'est pas aussi haute que les autres, mais toutes les banques s'en vont de côté. La Banque de commerce aussi, même ça semble avoir passé, là. C'est lorsque le secteur va faire un nouveau haut lui-même. Bon prix pour acheter KMP.UN. Pourquoi je ne l'ai pas eu? KMP.
Killam Apartment Retirement, ils vont quand même bien, les real estate, là, les retirement, là, mais le potentiel est jusqu'à 21$, OK? Donc, son point d'achat serait là, en principe, là. Vous voyez, il n'est pas tout à fait sur son haut, là, mais il fait ça depuis ce matin. Donc, il n'a pas vraiment donné d'autres points. Ça a été comme une ascension directe. Là. Il y a eu ici, oui, c'est ça. Il y a eu ici. Bien, on vient de faire un dernier cycle à partir de 12 heures. Il a monté, il est revenu, puis il est en train de se faire un nouveau support plus haut. Je dirais 20$ c'est 8, 20$ c'est 9, mais c'est pas un titre qui a un gros pourcentage. Là, okay? Il y a 5% de potentiel parce qu'à 21, il va s'arrêter là, puis à 21$, il y a 5% à faire entre là et là, ce qui est vraiment pas beaucoup. Okay? Je pense pas que c'est un stock risqué, par exemple, là, mais je pourrais peut-être aller chercher un petit pourcentage là-dedans. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de risques que ce titre-là vienne percer un support. Il n'a jamais percé au cours de l'année. Ça fait que le point de sortie serait à 19. Donc, il y aurait 5% de risque aussi. CLVS payé 7,52. Tout le monde aime CLVS, là, c'est sûr. 7,52, aucun profit. Je le monte avec des stop-loss présentement. Stop 11 et 19. Yes, sir! OK. Avec des stops présentement 11, 19. Ah, ici? Ah, OK. Vous n'avez pas pris aucun profit. Vous allez le laisser descendre jusque-là avant d'en prendre? Parce que si rendu ici, ça va être évident que... Attendez un peu, là. On va aller chercher ça avec un 15 minutes, là. OK? Donc, 11 et 19, c'est là. Et puis... Donc, c'est presque sur le bord de l'inversement. Donc, moi, je profiterais du fait que son support est encore plus haut ici. Puis, en tout cas, peut-être pas pour toute votre position, mais moi, j'irais avec un stop pour une partie de la position à 11,70. OK? Plutôt que là. Parce que votre point de sortie total, il serait à 10,5. Parce que ce cycle-là serait inversé. Donc, moi, j'irais sur un stop-loss de la moitié à 11,70, puis l'autre moitié à 10,5. Ce que moi, je ferais. Twitter, New York, c'est le temps d'embarquer? Je sais pas. TWTR. Bref, il est bizarre, Twitter, quand même, depuis une secousse. Il a vraiment pas mal chuté. Puis là, il remonte. Il fait un peu comme GIB.A. Il fait comme Gildan, je veux dire. Il fait comme Gildan. Il vient de passer une petite résistance, mais dans un graphique en 5 minutes, regarde, c'est 29,80 à 31. C'est pas tant d'argent que ça. Mais le problème, c'est que il a pas mal avancé, OK, dans son cycle haussier. Donc, si vous embarquez là-dedans, ce serait 31,5 avec un stop à 31,10. OK? Il y aurait 40 cents. Parce que il peut inverser ça aussi. Là. Ça ne veut pas dire que Twitter va remonter là. Regardez, il ne fait pas de volume. Il avait tombé sur des gros volumes, puis il ne fait pas de volume. Il a monté 29 à 31. C'est en plusieurs jours. Il a fait quoi? 6 %, 7 %? Il n'est pas si volatile que ça. Donc, c'est un achat seulement à 31,5, mais ça prendrait un stop à 31,7 avant de pouvoir sécuriser la position et prendre un profit plus tard. CUF.UN. Conimar, payé 13,40, il vaut 14,25. J'ai envie de mettre un stop à 14$. Ça m'apparaît correct. Ouais, c'est en plein là. C'est en plein là. Pas de problème avec ça, Claude. ENB, payé Enbridge. ENB. À Toronto, payé 48,40. Il vaut 50. Stop à 49,40. C'est vraiment bon. Ouais, c'est vraiment bon. ASR. Alasur Gold, payé 6,5. Il vaut 6,90. On vend. Bon, là, regarde, ASR, on va aller dans le secteur aurifère, là. On va prendre notre... Ah, bien, il est en premier, d'ailleurs, parce que c'était un des stocks le plus fort. Donc, l'or menace de traverser son support.
les titres sont à la baisse en direction du support. Et par contre, à la SEUR, lui, c'est un des titres les plus forts du secteur. Donc, on va régulariser ses volumes pour pouvoir faire une analyse plus exhaustive. Bon, il y avait eu des gros volumes ici, mais je vais tous les sacrifier parce que moi, je veux voir la moyenne. Bon, sont ici, là, les volumes, qui montent toujours à peu près avec les mêmes volumes. Donc, vous avez payé 6,5, puis le support, le point de vente serait 6,25. Donc, il vaut quand même un petit peu d'argent, mais est-ce qu'il est capable de continuer à battre le marché si le marché décrocherait? En tout cas, pour l'instant, je dirais que ce cycle-là serait inversé à 6,75. OK? Par contre, là, vous pourriez avoir 6,90. Peut-être pourriez en vendre la moitié, puis l'autre moitié à 6, la moitié maintenant, l'autre moitié à 6,75. TGOD se prépare aussi, selon vous. Il est plus faible que les autres, TGOD. Lui, il est retourné jusqu'en bas d'aller faire son support. Mais que ce soit TGOD ou n'importe quel autre titre de cannabis, à mon avis, on ne devrait pas acheter aucun titre de cannabis à moins que le titre passe, je vais mettre ça en 10 minutes, à moins que les titres passent le haut, les deux derniers hauts, là, OK? Les deux derniers bosses de chameau qu'ils ont fait là, OK? Ici, là, ils ont tous cette situation-là. Donc, au minimum, la première. Donc, ils sont tous sur un triple support, à peu près. Et puis là, ben, il faut qu'ils inversent la tendance. Donc, il faut qu'ils viennent passer au-dessus du haut d'aujourd'hui. Puis, dans le cas d'hier, c'était au-dessus du haut d'avant, mais ça ne l'a pas fait. C'est ce qui fait que c'est toujours à l'intérieur de la tendance baissière. FedEx est un achat. FedEx. C'est FDX. Non, je ne le vois pas comme un achat. Il est en fin de cycle. Il a fait un cycle. Aujourd'hui, il passe la journée dans son dernier cycle. Je pense que son cycle est fini. Et puis, c'est juste le point d'inversement de sa tendance. Donc, à mon sens, là, c'est 163,5 piastres le point d'entrée sur FedEx. Bonne journée, vous tous. J.E. payé 3,25. Bonne journée à vous aussi. J.E. payé 3,25. Il vaut 3,68. Bon, il y a un support à 3,60. Son cycle s'inversera à 3,55. Je le laisserai aller. Je mettrai un stop à 3,55. SIS Toronto. Savaria pour un achat. Ben non, on n'achèterait pas Savaria. Regardez, là, il est à une résistance de l'année. Et en plus de ça, il vient de traverser. Il est en train de traverser un support. Là, il pourrait inverser sa tendance ici. Ce serait vraiment très, très, très risqué. D'aller s'embarquer dans ce stock-là. Regardez sa résistance, c'est une résistance multiple, donc il pourrait très facilement décrocher ici. Donc, il n'y aurait pas de point d'achat là-dedans avant 15,25 $. Goose encore du potentiel. G-O-O-S. Bien, il y en avait un peu, mais là, il y en a moins, parce que malgré que c'est un titre qui a quand même une certaine volatilité, là, il est à 51, puis ici, c'est 57,5, donc il reste 5 piastres, 6 piastres, il y a encore un 10 % de jeu, mais il monte sur des volumes faiblissants. Ça fait que je crois pas que s'embarquer dans une affaire en dentiste comme ça soit vraiment une bonne idée. RCH, Richelieu, Hardware, payé 27,70, potentiel de retourner à mon prix payé. Oui, excepté qu'il n'a pas l'air d'en avoir envie. Mais ce serait vraiment intéressant qu'il retourne à son 27,70, mais ce qui va déterminer s'il va y aller ou pas, c'est que cette grosse résistance-là fait peur à bien du monde. Okay? Donc, si le titre n'a pas le potentiel de passer plus haut, bien, ça se peut qu'il se mette à avoir des vendeurs dedans. Et puis là, bien,
La tendance était ici, s'est transformée en tendance neutre après. Puis là, bien, le titre a failli à sa mission d'aller plus loin. Et puis là, bien, si jamais il passe ici, ce ne serait pas un bon signe. Ça prendrait un stop à 26,5 $ là-dessus. Sinon, parce que s'il passe 26,5 $, il s'en va à 24,5 $. À vous de décider, est-ce que vous voulez rester dedans s'il retourne à 24,5 $, puis prendre la chance d'attendre qu'un jour il remonte en haut, parce qu'une fois à 24,5 $, après ça, s'il décroche en dessous de 24,5 $, oups, là c'est 22, puis après ça c'est 20. OK? Donc moi, je mettrais un stop à 25,90 $, là. 25,90 $. Bonjour à tous. Quelle est la différence entre TT, MT et TXBM? Bien, l'indice des matériaux, je vais vous montrer ici, là. Donc, MT, c'est TT, MT, c'est l'indice des matériaux. Dans l'indice des matériaux, il y a ça, OK? Il y a moins d'affaires qu'il y en avait avant, mais il y a Nutrien, Metanex, Stella Jones, puis il y a des titres de forêt de mélanger là-dedans. Il y a CCL Industry, il y a Winpack, tandis que lui, TTMN, c'est des minières. C'est le secteur minier et le secteur matériaux qui comprend plus que de toutes sortes de choses. C'est HWY. Chewy. C'est le temps de prendre une ride avec. C'est d'acheter une tendance baissière là, qui monte. On va aller voir de quoi il en retourne. Bon, il vient de passer une zone de résistance là, mais ça, encore une fois, il y a eu un gros volume ici que je trouve quand même bizarre, mais regardez, là, voyez le volume qu'il y a là, dans l'inversement, c'était un attrape-migo, là, parce que, regarde, il n'y avait rien là-dessus, là, sur ce volume-là, il y avait une petite cote de rien avec un volume d'1 million. Donc, c'est un bloc mélangé avec 2-3 petits achats, ça, qui a été fait à croire. Là. Ça fait que pour l'instant, là, il n'y a pas vraiment de force là-dedans. Moi, ce volume-là, de 3 millions, regarde, puis il y en a un autre ici. Il y a quelqu'un qui n'achète 1 200 000 avant-hier, 1 200 000 acheté là. Pas longtemps après, dans l'espace de quelques instants, il y a eu une vente de 702 000 ici. Donc, ça fait 1 700 000 sur le volume de 3 millions qui m'apparaissent des volumes assez bizarres. Ça fait que c'est une tendance baissière, mais en fait, son volume n'est pas si gros que ça, puis il faut le regarder comme il faut. Ces volumes sont diminuants. Aujourd'hui, c'est un petit volume de rien là, pour le stock, là, 216 000. Fait que, sous toute réserve, moi, je vous dirais, regarde, au moins, laissez-les passer au-dessus de sa résistance d'aujourd'hui, qui va être qui est 24,40, OK? Parce que s'il part par là, ben c'est fini son histoire. Mais je le trouve pas bien hot. GIL, j'ai répondu à ça tantôt, là, je l'aime pas. OBS, c'est dans les forêts. Tiens, j'ai ça ici. Donc, les papiers plafonnent, tous les papiers plafonnent, la cascade est en pente, IFP, lui, il est plafonné aussi. Canfor, il s'en va dans Desch. Il serait quasiment un short Canfor. Regarde ça, là, il est en train de percer son support, c'est CFX. Là. Je sais que je ne réponds pas à votre question, mais je vais y aller. Là. Tiens, regarde, lui, il vient de décrocher. OSB. Bon, lui, il fait comme les autres, là, comme Canfor et comme tout le Nord-Bord. Vous voyez, là, il est coincé à une grosse résistance de 40 $, là. Donc, un peu moins que 40 $. Donc, il n'y a pas de point d'entrée là-dessus avant 40 $. GCL à Toronto. GCL. Collabor Group. Prochain point d'entrée. Moi, ce que je surveillerais, c'est le prochain point de sortie parce qu'il ne va pas bien. OK? Regardez, il est sur son bas de l'année, là. Puis il est sur son bas de 2018 aussi en même temps, là.
Donc, il y a quand même, il va pas vraiment très bien. Donc, il n'y aurait pas d'inversement avant que le titre remonte à 55 cents, se déplace de côté et fait une première journée aux alentours de 60 cents. Il n'y a rien dans ce mouvement-là ici qu'on verrait l'inversement de sa tendance. APPS. Nasdaq, est-ce le bon moment à 8,70? Digital Turbine, niveau 8,66. Bon, regardez, il est à sa résistance, OK? Puis là, bien, il n'est pas sur son haut. On sait que le 8,80, c'est son top. Donc là, je le remets en graphique un peu plus court. Puis là, vous voyez, il est ici. Donc, ce serait 8,80, ce serait 8,90 le point d'entrée sur ça. CAS Cascade, ça va donner quelque chose de similaire à ce qu'on a vu tantôt. Là, il n'y a rien, il n'y a pas d'achat là, sur Cascade là, pour l'instant. C'est quand même un gros niveau de résistance qui a atteint. Puis je pense que tant qu'il ne reviendra pas passer les 13,5 $, là, je pense que là, il est comme essoufflé, il est comme fatigué. SPB. Super. C'est Spectrum Brand Holding. Bon, lui aussi fait face à une résistance importante ici. Donc, il est assez clair. Donc, son signal d'achat serait dans son prochain décollage à 65,5. GIB, Michel, vous en avez parlé. C'est le temps de prendre une position ou pas? Si oui, vous avez-vous une suggestion pour le stop? GIB.A. Il a fait un bon bout déjà, mais vous savez, c'est un nouveau haut de tous les temps pour lui. Fait que le point, la suggestion pour le stop, bien, est facile. Là, il fait des supports plus hauts, là, OK? Donc là, premièrement, il faudrait attendre qu'il reparte à la hausse, parce que s'il revient jusqu'ici, hop, il va devenir neutre. OK? Il va avoir les acheteurs et les vendeurs vont être entrés et sortis, ce serait fini. Donc là, il faut qu'il fasse une pause ici, il faut qu'il reparte à 110 et 75. Et puis, si c'est ça qu'il fait, bien, son point de sortie va être 110 et 40. C'est pas pire, pareil. OK? Bien, en intra-séance, on peut avoir, ça pourrait être aussi 110 et 20. OK? Donc, il n'y aura pas un trop gros risque. Mais au moins, attendez qu'il repasse les 110 et 75 à la hausse pour s'assurer que ce n'est pas son dernier cycle de... Parce que ce n'était pas la fin de ce petit cycle-là. Mais avec son gros bruit de tendance qu'il a fait, je ne pense pas qu'il est bien, bien dangereux. Banque Laurentienne, prochain point d'entrée. LB, prochain point d'entrée, c'est au-dessus ici. Là, c'est 47 et 25. INSP. NSP. Inspire Medical System, ton opinion sur le titre pour un achat? Il est vraiment rendu à sa résistance. Son dernier cycle, il a fait 65,5, 71 et 45. Là, il est pas mal proche de son point de plafonnement. Oups, là, désolé, j'ai payé ce mauvais piton, NSP. Sa hausse aujourd'hui, c'était pas gros, là. OK? C'était pas gros. Puis là, il s'est comme arrêté là. Comme les autres jours, d'ailleurs, il fait des hausses le matin, après ça, il fait plus rien, là. Mais moi, je trouve que c'est bien proche de la résistance. J'attendrai qu'il fasse une pause, là. Ça peut être là ou légèrement plus haut. Puis qu'il fasse une pause de côté, puis qu'il débute un autre cycle après. TQQQ, acheté 800. Hey boy! Il en reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. TQQQ, acheté 800. Moyenne 40$. Vendu 4 lots de 100 à 46, 54, 67, 76. Je fais quoi avec les derniers 400? Ben regardez, pour l'instant, le stop est à 70,5. C'était une belle stratégie, d'ailleurs, d'accumulation de profit en montant. Là. Vous avez payé 40, vous avez vendu 100 à 46, 54, 67, 76. Le prix de revient des 400 qui restent, c'est 6, 4, 7, 6. C'est en moyenne 6$, fait qu'il vous coûte à peu près 33$. Donc, votre prix de revient, il est ici. Okay? La tendance, elle est là.
Mais cette tendance-là ici serait inversée à 70-43. Donc moi, avec tout le profit que vous avez là-dedans, j'irais pour la long shot avec le reste. Là, tant qu'il n'inversera pas une tendance, là, même pas un cycle, une tendance. À un moment, ce serait un stop à 70 piastres. Oui, 70 piastres pour y laisser de l'air par en haut. Acheter 1000 SIS. À 12,75, 14 et 12, vendu la moitié à 14,25, je sors, ouais, ben vous sortez, ouais, en dessous de ça, on sort, là, regarde, on sort à 14 piastres. ZZZ, c'est un symbole aussi, ça, parce qu'on a un auditeur qui, lui, s'appelle ZZZZ, OK, est toujours endormi. Quel prix le réveil? Je ne sais pas trop. Il va falloir que le cadran sonne fort parce que il n'est pas facile à lire. Il n'est vraiment pas facile à lire. Pour moi, ce serait 23,55. Mais c'est en haut d'ici. Là. C'est parce que, tu sais, s'il s'en va par là, il y a une résistance à 20,50, une autre résistance à 21,90. Donc, il y a toujours, tu sais, ici, il y aurait une pièce 40 de Le premier mouvement, il y aurait à peu près 75 cents. L'autre mouvement, il y a à peu près une pièce et demie. Puis c'est tout d'autres mouvements différents, mais il est vraiment pas facile. Il est vraiment pas simple. Là. Il est vraiment pas simple. BITF sur V. Bitfarm, qui a décollé, mais qui n'a pas continué. Hein? Bon, il y a eu du volume là-dessus ce matin. Bon, on n'a pas fait l'aller-retour, ça fait que c'est encore valide pour le moment. Donc, je dirais que le point d'entrée serait à 73, 74, avec un potentiel jusqu'à une pièce et 15. OK? Que pensez-vous de UUC? C'est UUC. Je ne sais pas c'est quoi ça. UCC. New York? ProShare? Au Canada, ça existe-tu, ça, UCC? Non. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Ça fait pas de volume. Vous devriez pas acheter une affaire de même. C'est UCC sur Nasdaq. Il n'y a pas de UCC sur Nasdaq. Non, c'est sur New York. Ça fait pas de volume. DI.B. Doral Industries, entrée à 6 piastres, 5,72 qu'il est là présentement, 5,90. FSZ, prochain point d'entrée, au-dessus des derniers jours, là. Juste là, 11 piastres et 40 environ. Ici, ouais, 11,40 point d'entrée. BITF, on l'a fait tantôt. Vermillon, VET. Bon, à oublier, hein, on n'embarque pas là-dedans. Les titres pétroliers ne sont pas positifs. Dole, un achat. Bien, juste au-dessus du prix actuel, OK? Qui est facile à identifier, là. Donc, 48,60, 48,65. YPG, Point. DB? C'est quoi cette affaire-là? YPG.DB? Non, j'ai pas ça. C'est pas ce symbole, ça fonctionne pas. Point DB. Désolé, Claude. BMO. 102,50, le prochain point d'entrée. Au niveau de la rapidisation, est-ce qu'un stop de protection est exécuté plus rapidement qu'un ordre à prix limite? Ça n'a pas rapport. C'est la même vitesse. Un ordre à prix limite ou c'est un ordre, c'est un ordre. Lorsque l'ordre est déclenché, c'est à la vitesse de la lumière aujourd'hui. Là, c'est plus ce que c'était avant. Avant, les brokers faisaient un coupon puis ils allaient porter ça au comptoir puis ils se prenaient quelqu'un qui tapait dedans. Mais maintenant, c'est très rapide. C'est le prix qui détermine. Quand vous tombez sur votre prix, vous tombez marché, paf, c'est fini.
Gauze, je le crains. Moi aussi. Michel Achat, FRU. Freehold. 6,65. Garder ou vendre? Vendre. SHOP. Bon point d'entrée au prix actuel. On l'a analysé tantôt. GIB.E.A. 97, vendu la moitié à 104. C'est bon. Quel prix mettre mon stop? 109. PYPL, PayPal. Hey, PYPL. Bon, il arrive à sa résistance, il va se bloquer là, OK? Donc, laissez-y finir son cycle neutre de côté, là, puis ça va être à 111, le point d'entrée. RNX. À 42 cents, qu'en penses-tu? Ben, à 42, je ne l'aime pas, mais je l'aimerais à 47. SPB, et SPB sur Toronto et non New York. SPB. Prochain point d'achat. Ah, supérieur plus, le prochain point d'achat, ce serait 12,85, mais il va être bon juste pour une pièce. RNX Toronto, c'est pas ça que j'ai fait? RNX. Ah, Royal Nickel, oui, c'est ça, RNX Toronto. BU, le point, c'est un go. BU. Bon, l'inversement de la tendance va se faire à une pièce et 10 pour Burcon. Ouf! C'est fait, il est fini. Répondu à 68 questions. Puis là-dessus, bien, là, on va vous laisser aller parce que ça fait 1h10 de show qu'on fait. Puis les marchés n'ont pas trop progressé pendant ce temps-là, par exemple. Ils ont resté assez tranquilles. Ben, ils ont déjà pas mal en hausse. Le Nasdaq, là, il plafonne. Puis le Dow aussi. Puis le Nasdaq aussi. Ça fait que. Puis le cannabis est toujours dans les mêmes conditions. Rappelez-vous, il faut passer le haut d'hier avant que ce soit le moindrement intéressant sur le cannabis. Sur ce, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir participé. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.